Alexis Poulain, bonjour, merci de répondre à nos bonjour. questions. Comment est-ce que vous interprétez la sortie d'Olivier Véran? Quel bilan, selon vous, de cette conférence de presse? Bon bien, on sent bien le feuilletonnage hein, par rapport à l'annonce du confinement en disant il ne faut surtout pas brusquer les Français vu qu'ils sont moins d'un sur deux ou quasiment un sur deux à ne plus vouloir hein, ou tolérer ces confinements. Donc il va falloir amener des preuves sur le pourquoi de ce confinement. Donc on attend les chiffres, on attend de voir où on va. Et c'est clairement là dans cette conférence de presse, Olivier Véran ne se mouille pas, il nous balade en rappelant hein, les vaccins, la campagne de vaccination qui est en cours. Qu'il n'y aura pas de délai entre les deux injections de doses, etc. Mais sur la stratégie... L'épidémie dans l'épidémie, évidemment, il fait allusion aux variants anglais et aux autres variants du coronavirus. Éviter l'épidémie dans l'épidémie, c'est quoi? C'est préparer les esprits, c'est ça? C'est ce que vous dites? Oui, tout à fait. C'est de dire que aujourd'hui, le couvre-feu à 18h ne suffit pas. Ce qu'il dit, c'est que ça évite d'être sous une vague et qu'on est sur un plateau épidémique. Mais avec ces variants, les infections pourraient repartir à la hausse. Donc, si le couvre-feu ne suffit pas, qu'est-ce qu'il y a après ça? Eh bien, c'est le confinement. Alors, les scénarios, puisqu'on a beaucoup de scénaristes en Conseil de défense à l'Élysée et rue de Ségur, vont parler de confiner peut-être le week-end, de confinement serré. On attend toujours de savoir ce que ça signifie en réalité. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces mesures se sont avérées inefficace. On fait la chasse aux variants anglais, aux variants sud-africains, aux variants brésiliens quand c'est trop tard. Pourquoi n'avons-nous pas fermé les frontières quand ces variants sont arrivés à l'époque où on savait qu'ils allaient arriver massivement sur le territoire, par les trains, par les avions, etc. Tous les voisins européens dorénavant ferment les frontières, prennent des mesures drastiques par rapport aux voyageurs qui viennent de l'étranger parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'éviter l'arrivée de ces variants qui viennent de pays tiers. Donc on fait n'importe quoi comme d'habitude, donc on va tester pour voir si on a effectivement beaucoup de variants et dire ah bah ça y est, ils sont là et ils sont nombreux et donc on va être obligé de confiner encore une fois avec Forme. Alors il y a plusieurs questions, si on confine, sous quelle forme, quand? Alors évidemment un confinement léger ou très serré, combien de temps, à partir de quand? Et puis la question également, c'est l'école. Gabriel Attal ce matin a parlé d'un allongement probable des vacances de février à 3 semaines, donc à toutes les académies. Et selon Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, selon ses propres mots, ce n'est pas acquis. Qui croire, que comprendre? Alors, évidemment, aujourd'hui, on a 3 ministres qui ont la parole autorisée. C'est Gabriel Attal, le porte-parole, c'est Olivier Véran, ministre de la Santé, Agnès Pannier-Runacher, et puis Jean Castex. Pour ce qui est de Jean-Michel Blanquer, il est souvent contredit, de toute façon, dans ses déclarations, soit le lendemain, soit dans les 24 heures, par l'exécutif, par le reste du gouvernement. Donc, reste à voir. C'est vrai qu'il se bat pour que l'école reste ouverte, en disant que ce n'est pas forcément là le lieu de contamination, sachant que les rectorats cachent le nombre de contaminations et évitent les fermetures de classe, même si vous avez des nombres de cas assez importants. Mais on préfère faire comme si tout allait bien et les chiffres de l'école ne sont pas les mêmes hein, que le reste de la société, on a l'impression. Donc, reste à voir aussi la réalité de l'épidémie au sein des écoles. Le scénario qui semble le plus probable, oui, c'est autour des vacances, hein, jouer avec les semaines de vacances pour confiner les parents et les enfants en disant ben, c'est une période de vacances scolaires, donc après tout, faisons ça, et puis vous ne partirez pas en vacances, puisque le risque, c'est aussi là de voir sur le territoire se multiplier les foyers de contamination. Tout continue, en fait, sans jamais remettre en cause ces mesures liberticides, leur réalité, leur réel impact sur la propagation de la maladie. On parle de quelques pourcentages de différence par rapport aux contaminations. Tout ça parce qu'on manque de lits, toujours. Tout ça parce qu'on manque aussi de traitements précoces. On ne veut pas essayer des traitements précoces, alors que partout, d'ailleurs, on commence à essayer aussi de nouveaux traitements pour voir si ça pourrait fonctionner, puisque les vaccins n'arrivent pas assez vite, compte tenu des mauvais contrats qui ont été signés à Bruxelles. J'ai une question, parce qu'il y a une info qui est tombée cet après-midi. Le vaccin d'AstraZeneca est recommandé pour les moins de 65 ans uniquement. Est-ce que ça peut mettre à mal la stratégie vaccinale du gouvernement qui a décidé de vacciner en premier les plus de 70 ans ou les plus de 75 ans? Ben complètement. On vaccine avec un produit dont on a très peu de retours, hein, y compris même le vaccin de Pfizer, qui n'a extrêmement peu de données concernant les plus de 65 ans et les plus jeunes. Mais on le fait donc sur les populations à risque et les plus de 65 ans, sans savoir finalement quel est le retour. Et là, avec AstraZeneca, c'est clair, pas assez de données. Donc finalement, il vaut mieux éviter les plus de 65 ans, puisqu'on a vu hein, en Norvège ou ailleurs des cas de mort très peu de temps après la première injection, sans qu'il y ait de lien, selon les autorités, entre la vaccination et la cause du décès. Mais toujours est-il que ce manque de recul sur l'efficacité
hein, au-delà de la nocivité, sur l'efficacité, fait qu'on peut se demander de l'efficacité de la campagne de vaccination, si on cible en priorité ces publics-là. Donc il va falloir voir, l'idée en fait d'une campagne vaccinale qui aurait du succès, ce serait une vaccination rapide, massive, pour éviter la propagation des variants, pour éviter justement que le virus puisse muter et continuer sa course. On en est loin puisqu'on manque de doses, l'Union européenne n'ayant pas signé des contrats qui lui permettaient de sécuriser l'approvisionnement en termes de vaccins, et puis des candidats vaccins aussi qui ont jeté l'éponge il y a quelques jours. Alexis Poulain, là on a évoqué la prise de parole à 14h d'Olivier Véran, on a parlé de confinement, reconfinement, également du vaccin avec donc, le vaccin d'AstraZeneca qui est donc recommandé pour les moins de 65 ans uniquement, ça vient de tomber. Mais j'aimerais vous poser une question par rapport à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, la République En Marche, la majorité de la République En Marche à l'Assemblée nationale qui a sifflé la fin, a voté la fin de la commission, la mission d'information sur la gestion de crise du Covid-19. Les oppositions à droite comme à gauche hein, qui sont vent debout. Quelle est votre interprétation de cela ? Mais c'est un scandale démocratique et c'est la preuve que la Ve République est arrivée dans une caricature totale de régime ultra-présidentiel. Tout se passe comme si l'Assemblée nationale n'avait plus aucun poids, n'était plus du tout un contre-pouvoir. Les oppositions ne sont plus que décoratives et il suffit de quelques députés de la majorité, totalement soumis et affiliés à volonté de l'exécutif, pour enterrer des commissions d'enquête qui sont pourtant clés. Mais ce qui se passe aujourd'hui est scandaleux au-delà de cette dissolution d'une commission d'enquête, c'est que tout se décide en Conseil de défense, un organe qui n'a aucune légitimité démocratique, où le président de la République décide avec un aéropage de personnes choisies de stratégies de liberticide, de privation des libertés pour des millions de Français, sans qu'il y ait de contrôle démocratique sur pourquoi ces choix, sur la réalité aussi de l'option, des options choisies et des choix et de l'impact sur la santé des Français. Et on accepte ça en fait. Donc on a enterré la démocratie d'une certaine façon, mais depuis longtemps, parce que la Ve République est devenu un régime hyper présidentiel, caricatural, qui fait que l'Assemblée nationale, qui devait être représentative, ne l'est plus, déjà dans la façon dont les députés sont censés représenter le peuple, mais ne l'est plus non plus dans la gestion de l'opposition parlementaire. Les oppositions n'ont plus aucun pouvoir, elles sont dépossédées, alors elles peuvent toujours s'indigner sur Twitter, mais rien ne se passe. Et puis se pose la question, bien entendu, de l'article 68, de la destitution de ce gouvernement, mais avec une majorité comme En Marche, eh bien cet article est tout simplement impossible à mettre en œuvre. Donc on est coincé avec finalement un hyper-pouvoir embastillé à l'Élysée qui décide de tout en Conseil de défense avec aucune transparence, puisque le Conseil de défense est placé sous le secret défense, et ça depuis le début de cette crise sanitaire, sans jamais que cela soit remis en cause. Alors il y a le Sénat qui va essayer de faire une commission d'enquête, mais on est loin du compte en termes de contre-pouvoir démocratique. Même si le Sénat a quand même donné son feu vert cette nuit pour un prolongement de l'état d'urgence jusqu'au 3 mai. Merci Alexis Poulain d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes éditorialiste.